C'est au son de tambour traditionnel japonais que les chefs d'État et de gouvernement réunis au G20 se sont retrouvés ce vendredi soir au pied du château d'Osaka pour la traditionnelle photo de famille du sommet. Cette journée de vendredi était principalement consacrée aux réunions bilatérales avec en toile de fond la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. De quoi assombrir le sommet, les dirigeants s'inquiétant de l'impact de la dispute entre les deux principales économies mondiales. Tous les regards seront tournés vers Donald Trump et le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre ce samedi. Donald Trump, on peut l'espérer en tout cas, devrait adopter un ton plus sérieux pour ses réunions de travail. Le président américain ayant surtout pensé à plaisanter tout au long de ce G20. Autre point de blocage du sommet, le climat. Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro ont tenté de faire pression sur les autres dirigeants pour qu'une déclaration non contraignante soit adoptée dans le communiqué final.